Bonjour, bonjour Constant. Nous allons parler d'un produit RCF. Il s'agit là de la Evoche G plus 8. C'est bien de souligner la différence parce qu'il y a la Evoche G plus 8 et la Evoche G 8. Là, la Evoche G plus 8, ce qui différencie les deux, c'est au niveau de la conception. Vu que la G plus 8 a été conçue avec une console de mixage dessus. Si vous pouvez dire par rapport à ça, monsieur le président. Ok, ok. Bon. Pour moi, particulièrement, si j'ai décidé de faire un événement de 250 ou 300 places, je n'ai pas besoin de deux Evoche G Mix 8, puisque tout ce qu'elle est en deux variétés, il y a la G Mix 8 et il y a également la G 8. La G 8 qui n'a pas de qui n'a pas de lui, elle n'a pas de mixeur. Donc, si je veux faire un événement, ça serait plutôt pour moi de prendre deux G Mix 8. Ça serait une perte pour moi. Donc là, je préfère prendre une G-Mix 8, je prends une G-8. Là, le mixeur qui est sur la G-Mix 8 va me permettre de contrôler soit même les micros, contrôler, envoyer aussi le signal à la G-8. Et déjà avec ce système comme ça, les DJ n'ont plus vraiment souffri et arrivé. En fait, déjà, vous n'aurez jamais les problèmes. Et ma basse a un problème, mes aigus ont un problème. Donc, avec ce système comme ça, vous pouvez contrôler en fait, oui. Vous avez un monitoring total sur votre système. Je pense aussi que vu l'aspect du produit, on se rend compte que c'est quelque chose de très compact. Ouais, vraiment compact. Vraiment. Très compact, ça englobe beaucoup de fonctionnalités. Comme on peut voir sur sa console, il y a les reverbs, les delays, les modulations. Donc il y a quasiment 40 minutes de delay. Exactement. Et également sur l'entrée, la piste 4. Oui. Il y a une entrée instrument. Oui, il y a une entrée instrument sur la piste 4. Il y a aussi également une sortie auxiliaire sur le mixeur. Et vous n'êtes pas forcé, c'est pas forcé d'utiliser ce mixeur pour faire jouer l'enceinte. Vous pouvez faire jouer l'enceinte en passant directement sur son entrée là derrière, puisqu'il y a un input, il y a également un input pour envoyer le signal. Si on peut envoyer le signal avec une autre enceinte, oui, c'est bien. Exactement. D'accord. Et je constate aussi qu'il y a une possibilité d'annuler cette console-ci. Ouais. Donc, si on a un plus large.